Bonjour YouTube. oh là là, je sais jamais comment voilà. Que ce soit dans mes vidéos ou dans les VOD, je ne sais jamais comment commencer un truc en n'étant pas cringe. Donc je suis désolé. Le mien m'a donné me coûtait 15$. Bon, je sais plus combien ma mère l'avait payé mon Popol quand j'avais 3 ans, mais ça doit pas être très cher. Ça doit être 30 balles, je sais pas, un truc comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle partie de Super Mario 3D World, de 3D Worlds. Ça fait longtemps. Je ne sais plus du tout où on s'était arrêté. Mais je sais que ça commençait à devenir un tantinet. Enfin, on avait passé un petit cap de difficulté. Hein, à partir de la fin du monde 5, début du monde 6, ça commence à douiller du cul. Donc, on va dire que je suis un petit peu... Enfin, j'appréhende pour la suite. J'appréhende énormément. Surtout qu'en ce moment, je joue aussi à Mario Galaxy. Et j'ai redécouvert... Putain, la vache, ça lag de ouf. Waouh, comment ça lag. Quelle horreur. Alors, je suis désolé, hein. C'est pas censé laguer comme ça, ça laguait pas comme ça avant. Oui, j'ai salué YouTube. Bon, c'est bon, in-game ça va mieux. C'est la map qui était un petit peu trop. Ok. Donc, ouais, je disais, je suis sur des vrais Mario 3D quoi. Ah merde. Et c'est quand même bien mieux, hein, quoi qu'on en dise. Je sais pas où là. Merde, non, ça commence quand même. C'est quand même bien mieux que ce genre de Mario en. Je suis pas très fan de la vue de 3 quarts comme ça. Je trouve ça pas très jouable. Mais le must en termes de jouabilité, hein, ça reste quand même. Cet incroyable jeu qui est Mario 64. Hein, comme je vous disais, je l'ai redécouvert. Bah là récemment ce week-end, hein, j'ai relancé une partie, je suis... Waouh la vache, c'était tellement bien. Et ça l'est toujours, c'est incroyable. Oh non, petit bijou. Voilà, voilà. Quand tu penses que le jeu, il est sorti en 96, si je dis pas de conneries. C'est incroyable de se dire... C'est toujours aussi qualitatif. Et qu'il y a des jeux à l'heure actuelle qui sont pas capables de faire aussi bien. Putain, j'ai du mal. Voilà. Non, c'est pas compliqué, mais j'ai du mal. J'ai déjà du mal, donc ça commence effectivement absolument pas très bien. Voilà. Ah, alors c'est laquelle, j'en ai loupé combien? Putain, j'en ai loupé une. Eh bah, très bien. Ah d'accord, c'est le jeu qui peut dropper comme ça. Ah non, je suis pas sûr, je pense que c'est vraiment mon PC et le stream qui casse les couilles. Je pense sincèrement que c'est mon matos. Encore une fois, j'ai pas non plus la CG de foufou. Hein. Une bonne CG, certes, mais pour faire plusieurs choses en même temps comme ça, c'est pas... Ah merde, c'est vrai, ça fait mal ça. J'ai oublié ce que font les ennemis. Merde! Et j'ai pas de... Non, j'ai pas de... Non. Putain, prends-le! Putain, quand il est petit, c'est encore pire que tout, quoi. Le skill est sur une autre chaîne. Ah merde! Putain, je vous lisais, j'ai pas suivi! Ah merde! Oh là là, quel gros débile. Alors ce que je vais faire par contre... Non putain. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les tuer. Comme ça, la descente sera plus simple. Bien.
Ah non. Non. Et puis je sais pas, je trouve que ce soit dans celui-là ou même dans Galaxy, Mario, c'est, je trouve qu'il a une physique un peu pétée. Il est lourd, il glisse, alors que dans 64, putain, mais c'est du caviar le gameplay. Sincèrement, quoi. Je m'attendais à avoir du mal, mais manette en main, c'est un truc de dingue. Et avec les manettes de Switch, c'est encore plus agréable qu'avec le parce que souvenez-vous, le stick de la 64 à l'époque, c'était un bail, hein. Et là, c'est vraiment, on est à deux doigts du merveilleux, j'ai trouvé. Donc il est pas, comment dire, exclure qu'on se fasse un peu de Mario 64 aussi. Rigidité sur 20. Dans Sunshine, c'est le rêve. Ouais, Sunshine, ça avait déjà commencé à être la merde. Mais j'étais un peu déçu sur Galaxy, est super cool, hein, mais je suis un peu déçu parce que à ce niveau-là, Mario est bien. Il est bien comme ça, quoi. Il est bien sa venette un peu lourd comme ça. Je sais pas comment dire. Enfin, il y a un truc qui me plaît moyen, quoi. Ok. Et j'ai l'impression que Odyssey, ouais, j'ai pas fait Odyssey, mais ça a l'air d'être assez plaisant à jouer. C'est pour ça que je préfère aussi les Mario récents qui sont sortis jusqu'ici. J'ai toujours préféré les 2D. Mais ouais, il va falloir que je me décide à faire mes streams rétro aussi, un de ces quatre. Donc, je pense qu'on fera ça aussi. Quand j'aurai fini 3D World et Bowser's Fury, je pense que les mercredis, ce sera stream rétro. Ah! Je peux pas aller plus vite. Ah non, on est obligé de refaire un tour. Ah! Bon, c'est possible. On le met là. Voilà, merci. Putain, c'est chaud. Et ben alors, je vais. Et maintenant, je vais. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Merde, il reste une. Allez, là en dessous. Ouah, comment j'y vais? Ah, faut monter là-bas, quoi. D'accord, ok. C'est vraiment sympa, le Capitaine Toad, moi je trouve. La merde. La vidéo d'Affreux Jojo, c'est quoi? Le jeu d'origine a recompilé avec texture IA moderne pour rien trahir avec un rendu publicitaire TikTok. D'accord. GG.
Ah, j'aime bien le type de jeu de Capitaine Toad. Franchement, je suis sûr que... Je suis sûr qu'il y a moyen de passer du bon temps. Mais ouais. En plus, on a plutôt fini... Ah non, ça marche pas. Je pensais qu'il y aurait un truc caché. Ah ah ah, nique-toi! Comme on a bientôt fini Bowser Fury et... Bon, celui-là, je sais pas si on a bientôt fini, par contre. Parce qu'il est quand même un petit peu... Un petit peu tôt. Merde! Ah, 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 ah. Ah d'accord, on peut les péter. Oh la vache! Et putain de merde. Oh là là. C'est pourtant pas compliqué, hein. Juste que les mouvements de ce gros... balourd, parce que c'est un balourd un peu Mario dans ce jeu. Ah ah, viens là. Il y a une étoile là. Voilà, comme ça on en a encore loupé une, très bien. Une vis, parfait. Je suis sûr qu'on loupe des trucs, mais on s'en bat l'arrêt. Ouais non, ne pas courir. Putain! J'ai rien à foutre. Hein. Je n'arrive pas avec cette perspective. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il tourne bizarrement. C'est soit il va dans un sens, soit il va en diagonale, soit... Ouais, c'est ça qui me perturbe en fait. C'est soit il va comme ça, soit il va en diagonale, soit... Mais on dirait qu'il a pas trop de demi-mesure en fait, je sais pas comment dire. En fait, ce serait peut-être mieux d'y jouer à la croix directionnelle, mais on peut pas. En général, les jeux qui sont en simili 2D, voire comment on dit, la fausse 3D, on appelle ça comment, je sais plus. Mais ils sont plus jouables au stick, enfin au comment on dit. Ça s'appelle comment cette merde déjà? Merde, non, je voulais pas rentrer là. Au D-pad. Ouais, peut-être que fallait assumer son gameplay 2D. Ouais. Non, mais ils ont voulu changer aussi des New Super Mario Bros, quoi. Ça peut se comprendre. Bien proposer des trucs un petit peu nouveaux, quoi. C'est juste que, ouais... On peut pas jouer avec le Direction Pad, on est d'accord. Ah non, on peut prendre des photos, super. C'est essentiel. Je ne peux pas prendre cette...
foutue étoile. Je me suis fait avoir, j'ai voulu aller trop vite. J'aime pas être petit en plus. J'ai l'impression qu'il est encore moins maniable quand il est petit. D'accord. Oh putain. Non! Oh. Puis la pseudo petite profondeur de champ aussi sur les passages en 2D, c'est chiant. Je trouve. Enfin bref, j'arrête pas de râler. Je râle. Je fais que râler. Donc du coup, je peux peut-être aller chercher l'étoile quand même. On se la tente ou pas? Ah non, je peux plus. Oh merde. J'aime pas être petit, ça doit être un calvaire au quotidien. Ça va, je me suis habitué. Je parle dans le jeu, bien sûr. Dans la vraie vie, j'aime être petit. J'adore ça. Mais comment tu fais là sans te prendre des trucs dans la gueule? Putain, et puis je suis sûr qu'il y a l'étoile là. Allez. Ah non, c'est le tampon. C'est pas grave. Comme ça, j'ai le tampon. J'ai l'impression de refaire Saint-Jacques de Compostelle. Bon, c'est pas grave. Tant pis, j'ai tout perdu, mais j'ai le tampon. Oui, bah c'est bon, j'y vais. Allez, bouge! Non, non, non. Ce serait dommage. Oh là là. Pff. Tu devrais me voir sur FF7 Remake Rally, je fais que ça. Ah bon? J'ai cru comprendre que il était cool pourtant. Et on recommence. Merde. Putain, arrête de glisser. C'est cool le pèlerinage. C'était pas un pèlerinage en ce qui me concerne, c'était. C'était juste. Du trek. Hein. Je fais celui-là parce que voilà, quoi, c'est le truc le plus connu et que. Et que c'était. Rat, etc. Bien sûr. Putain, à chaque fois, rien à foutre. Je l'anticipe pas, sûr. Non! T'es con. C'est lui. Il court après ses carapaces. Dommage. Là t'as rage quit Wario Land 3. Ah c'est. C'est le risque. Oh putain, putain. Bordel de merde de chiasse à cul. En fait j'ai pas eu mon niveau de vie. Alors, là, on se souvient. Attention. Prends ton temps. J'ai dit, prends ton temps. Go ! Attends que ça passe. Voilà. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué, en plus, c'est ça le truc. C'est pas joué, Jack, t'es mauvais. Waouh. Alors là, on sait qu'il faut bourrer direct pour aller appuyer sur le pot pour toutes les péter. Boum! Voilà. Là, ça fait du bien. Là, on est d'accord. Là, on est copains. Voilà. Allez, rétro, Pierre Vasse. Et on se concentre pour pas perdre notre Mario Flower. Voilà. Une chose est bien. On peut. Presque tracé. Ah oui d'accord. Ils sont trop quand même.
Voilà. Putain, c'était pas compliqué. Ah, Mario Kart double dash. Mais j'ai envie de dire, la plupart des Mario Kart, hein, y a que celui sur 64 que j'ai pas vraiment fait, qui m'a jamais vraiment attiré. J'ai pas trouvé génial non plus, j'ai pas beaucoup joué à Mario Kart 64. Mais sinon, tous les autres, à chaque fois... Ouais, à chaque fois, c'est une petite addiction vite fait, hein, Mario Kart, hein, quand même. Puis c'est aussi... C'est un des rares jeux où t'as toujours le plaisir de débloquer des trucs. Parce que maintenant, dans la plupart des jeux où t'as des... tu débloques plus rien, c'est juste des DLC, des conneries comme ça, qui se vendent, que tu rachètes par-dessus. Mario Kart, ça reste un des rares jeux encore où tu peux prendre du plaisir à débloquer des... des cartes, des machins, même si dans le dernier, là... Oula, c'est bon. C'est un peu ce qui m'a déçu avec ce, le 8, c'est qu'il n'y a pas de course à débloquer. Tout est déjà débloqué d'office et... il y a juste des cartes à débloquer, c'est un peu dommage. Moi j'aime bien débloquer des coups. Bien débloquer des trucs dans les jeux. Ça me manque ça dans les jeux de maintenant. Surtout dans les jeux de baston. Étant donné que la plupart des jeux de baston, je les fais tout seul. J'ai joué à plein de jeux de baston dans ma vie et ça a souvent été tout seul. Ah putain, je peux pas y aller. D'accord, bon matin. Ah bah si, je devais y aller, mais avec le boomerang, c'est ça. Et merde. Ouais, y a pas mal... Ouais, tu... Ça compense un peu, ouais, effectivement, avec tous les trucs de cartes que tu peux pécho, quoi. Mais c'est pas... Voilà, moi j'utilise pas, je garde un carte standard et puis... une balèque, quoi. Ouais, je sais que c'est juste une... Mais putain! Je sais que le Mario Kart Deluxe machin sur mes couilles, c'est juste celui du Wii U avec tous les trucs déjà pré-débloqués. Et 2-3 petits trucs bonus en plus, quoi. Et que genre ça devait être pour pas... Putain, mais je suis con, j'en fais la même! Ça devait être genre pour pas frustrer les gens qui l'avaient déjà torché sur Wii U, quoi. Vu qu'il n'y a pas de système de sauvegarde compatible. Ah putain! Je suis en train de perdre toutes mes vies en plus. T'es qu'un gros nul. Bah oui, mais je sais. Mais non! Voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Je speedrun avec des raccourcis. Ah putain, c'est pas bien. Voilà, très bien. Là, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est juste... Merde, putain. Je peux taper dedans? Ah non, je peux pas taper dedans. Putain, c'est de la merde, ces grosses boules. Là. Ça me fait penser à... Hein, je jouais, je me souviens dans les années 90, mais je me souviens plus exactement ce que... Espèce de bombe à eau, je sais plus. Ah ouais, on peut pas marcher dans leur truc, ouais, forcément. Putain, il me semblait l'avoir fait. Belle machine cette Switch. Ah mais moi j'aime beaucoup, moi je suis fan de la Switch. Bon, on est d'accord, ouais, les étoiles ça reste. Oh, mémoire. C'est bon, il va. Vite. Il devient tellement instable quand il dash, putain. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Merde, bon, tant pis. Ouah.
Bonne préparation de patch, cher Michel. J'aurais pas dû être un artiste. J'aurais dû trouver un vrai boulot. Ça s'arrête, hein. Mais d'accord, on verra tout. Merde, je l'ai vu en plus, J'ai loupé plein de trucs, mais je m'en carre le fion. Oula. Wouhou. Ah, ça y est, c'est la fin. En fait, si on n'essaye pas de trouver les étoiles et tout, ça va. Sale tonton avec le sel de tonton. Il doit être brûlant ce mât. Comme beaucoup de choses. Ah bah dis donc, heureusement que j'ai assez d'étoiles. C'est les 100% de galaxie, putain la vache, ce qu'il faut faire, oh là là. Bon sang de merde. Il ne manque plus qu'une dizaine d'étoiles, mais on a rage quit parce qu'il y a des trucs. Il y a des comètes violettes qui sont vraiment pétées du cul. Je sais pas si vous avez déjà fait. Merde. Mario Galaxy mes couilles là, mais. Ah, c'est... On peut grimper ça ou pas? On peut grimper? Je l'ai où? Faut que je prenne le ballon? Ah merde! Ouais, merci. Juste comme ça. D'accord. Ah putain. Ah d'accord. Ah c'est vrai, c'est les trucs de merde. Putain, j'avais oublié. On va essayer de rester gros. Enfin, Mario grand, là. Merde, putain, il dit ça, puis... Voilà, comme ça, ça se fait. Et vous savez ce qu'on dit? Ah putain, j'étais dessus! J'ai regardé l'ombre, j'étais dessus. Ouais, Galaxy, on a du dur. Bah techniquement, il nous manque plus que les étoiles violettes. Enfin, avec les comètes violettes. Oh! Ah ouais? D'où tu drops ça, toi? Ça l'a droppé d'où? Oh, allez. Je la tente. Et merde! Non, c'est pas ça. Non plus. Ouh! Petit poil au milieu. Allez, on se concentre. Ah! Ah putain de merde! Quel con. Ah putain, mais c'est pas vrai, mais je fais exprès. Et ça donne... Bah... Ah si, ça en... D'accord. Ouah, c'est gratuit, ça. C'est trop... Ah putain, mais non. Et puis c'est ma dernière vie, après je suis game over. Après, il y a aussi un truc comme ça que je déteste dans les Mario. J'ai l'impression que c'est propre au Mario récent. Je me souviens pas de ça dans les autres. Tu perds toutes tes vies quand tu reprends une sauvegarde. Alors tu peux cumuler 30 milliards de vies sur une game.
Il suffit que t'arrêtes et t'as plus tes vies. Super. Allez vous faire foutre. Ouais, t'as qu'on s'en fout. Alors que je retourne dans les premiers niveaux pour récupérer des vies, c'est relou. Ah puis là, j'ai pas le boomerang. Ah c'est quoi ça? J'ai le boomerang. Je te jure. Oh, il y a des frères Martal. Non. Comment voulez-vous que ça se passe bien si on reprend le jeu avec que 5 vies? Bande de connards. Il y a des maisons d'étoiles là qu'on avait fait. Ah putain de ça. Ouais, ça rame du fion quand je suis sur la map. Ah, juste d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour les grosses bites, ça tombe bien, il adore ça. Merci pour les 100 bits. Merci énormément. Bon. C'est parti, c'est reparti. Maintenant, rends l'argent aux abonnés. Quoi? Ça va être compliqué. Je les ai dépensés. Et puisque j'ai pas dépensé, ça me paraît improbable de redemander à l'URSSAF. Ah putain! C'est bien. Voilà, ta gueule. Bon. Allez, on y va, safe. Safe. Ah ! Il suffit de prendre son temps. Ah bah, faut courir, par contre. Putain, va tout droit. Très bien. Putain, il m'a manqué une merde. Allez, t'es où? Ça c'est très bien. Je préfère voir ça qu'un champignon, honnêtement. Ah putain.
super. J'ai fait quoi? D'accord. Si je fais un nom, est-ce qu'on peut compter ça comme un placement financier rentable et que je pourrais avoir un retour ultérieur de plus 5%? Je pense que c'est une mauvaise idée. Oh là. C'est déjà la voiture quand même. Il y avait déjà cette voiture là la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Non. Alors, on va reprendre. Voilà. Merci. Attention, il y a des picots. Ça avance pas, putain. Balance de ce côté-là, s'il te plaît. Merci. Mario Metal. Et ben alors. Vomissure. Ah merde. Ah oui mais bon. Et ben alors. Suis-moi. Sors, oui, sors, j'ai forcément. Merde. Je suis Mario Boomerang. Mario Rang. C'est long et chiant. Bon, on attend un petit peu parce que... Ah. Merde. Vous tire du président Bowser en fait. Ouais, en fait je suis super lié à Harvey Oswald. Est-ce que c'est toujours le même spot? C'est toujours le même spot. Comment ça? Il faut que je me dépêche. Mais je peux pas faire plus vite, ça dépend de lui. Bordel de merde. Merde. Putain, je suis minus. Pour moi, Nani, je me suis offert une journée de télétravail. Oh merde. Oh, vraiment, syndic a décidé que l'entretien va choisir celui d'aujourd'hui. En même temps qu'une formation en ligne. Joyeux anniversaire, to believe. C'était aujourd'hui, donc du coup. Et bah, envoyez des bisous et des cœurs et des joyeux anniversaires à to believe. Pour fêter son anniversaire. C'est comme les machins dans James Bond. Merde, faut que je me dépêche. Sinon, je vais mourir. Wouh! Allez les filles! Quand tu es loin de la voiture, il lance pas le ballon. Ah d'accord, j'avais pas calé. Merci coach. C'est un peu... Ah il râle. Hein. Oh, c'est pas fini!
putain, je croyais qu'il... je croyais qu'il les a punchés. Ah, un ultime monde. Parce que, attends, on est combien, nous aussi, si on est au 7, là. Donc ce serait le monde 8. Ou le monde 7. Je pense plutôt le monde 7, non. Ouh, oh, il est joli. Il a envie de faire pipi, Mario. Je vais voir si je peux pas reprendre un petit truc. Est-ce qu'il y a la maison champignon à la ripop? Non, bah non, ça serait trop beau. En principe, dans les vieux Mario, il y a 8 mondes. Waouh, il est beau le tuyau. C'est le monde des étoiles. Mais forcément toujours le monde des étoiles. Oh, c'est le monde de la fête foraine. Non, le monde des étoiles, on est déjà été. Hein. Putain. Trop classe. Ouah, mais c'est trop bien. Mais il a trop de la chance d'habiter là, Bowser, en vrai. Il habite au Japon. Ah, c'est entre le casino et le parc d'attractions, c'est étrange. Et donc on est... Merde, c'est pas... C'est le monde Bowser. 6. Ah, c'est ça, c'est le 8ème. Bon, bah, c'est parti. Quoi, avec tous les dons qu'on t'a donné, tu pourrais faire ça juste au-dessus de chez toi? C'est-à-dire faire quoi? Ah, le casino. Alors, comment vous dire? Et effectivement, c'est des grosses sommes, c'est beaucoup d'argent, surtout sur des années comme ça. Malheureusement. Eh merde. Toujours un problème avec ses perspectives, hein. Je suis désolé, j'y arrive pas. Hein. Peut-être mettre la vue un peu plus en haut. Non, on peut pas changer la vue, c'est chiant. Ah, ça fait du bien. Le petit chat. C'est tout, c'est juste des pièces. C'est tellement pété la transformation en chat. Les effets mouillés sont jolis, c'est vrai. Alors, un truc aussi qui est chiant. C'est que les pièces, elles dégagent et tu dois les chercher. Oui. Ouais. Je joue un petit peu avec le feu. Tel Prométhée. Voilà, c'est très bien ce qui se passe. On peut-être monter à 10 vies, ce serait une belle idée. Ça reste longtemps, putain. C'est juste un pot. Ok. La musique te fait penser à Mister JD. C'est sur sa chaîne que j'ai découvert la musique de Super Mario 3D World. Et c'est vrai que Mr. JD est un grand fan de Mario. C'est un homme de goût. Forcément. Putain, faut bourrer un petit peu quand même. Et merde. Forcément, le retour est un peu plus
compliqué. Mais merde. Dégage. Une petite clochette de secours, ça fait toujours plaisir. Ah non, faut grimper comme ça. Putain, quel con. Ah putain, quel con. Espèce de gros débile. C'est chiant, mais c'est plutôt logique que d'obtenir la pièce qui était 3 km. Ah, je sais pas. Ça me dérangeait pas dans les autres Mario. Alors, on va essayer d'aller prendre l'étoile là-bas. Putain, ça reste vite. Les gars. Oh putain. Ah bah oui, t'as pas le choix. Bah oui, mais bien sûr. Oh merde. Ah d'accord, il faut aller dessus. Yes. Putain, j'aurais dû... ça va être débile. Voilà. Ouah. C'est sympa. Et merde. Alors où? Youpla. Ah non. Ah non non non. Pourquoi on appelle les plateformes donuts comme ça? Ça ressemble à des donuts. Ah, je ne sais pas. Ah, un Koopa, un squelette Koopa, je sais plus comment il s'appelle. C'est vrai que tu parles de la musique là, oui, effectivement, de la musique du monde là, ouais. C'est vrai qu'il l'utilise souvent dans ses montages. C'est vrai. Sable se remercie de vessie. Ah putain, non. Au secours. Tu me dis quoi? Tu me dis rien. Allez, go. Ouais. Putain. Ah. Et merde, j'ai tout raté. Ça va là, on va là-dedans? Oui, d'accord. Et putain, il y a des boosts. Est-ce que Relax, c'est ça? Ah, coach, si tu ne connais pas Mister J-Day, conseil, ça gêne à 100%. Il est orienté analyse de pub. Et c'est non seulement fort drôle, mais aussi fort pertinent. Oh putain. Non, je le prends pas. En fait, non, mais. Oh, putain de merde. Putain, il manque tellement d'étoiles. Comment c'est possible? Dans les cocotiers, il se passe quelque chose. Voilà. J'en ai pas besoin, mais ça fait des points. Et des points, c'est bien. Parce que si on veut se battre contre Bowser, il nous faut des points. Ok, que dalle dans les cocotiers.
Bonjour Vessi, enfin au revoir Vessi je veux dire. Bon y'a rien là-dedans, on s'en bat les couilles. Enfin, si ça se trouve c'est dans celui-là qu'il y a un truc intéressant. Ok, je nique ma... enfin je nique des gens. Comme le fils de pub. Ah non, il fait ça différemment. Mais bon, oui, c'est vrai que le fils de pub aussi, il fait... Ouais, je vois rien. Merde, et voilà. Bah voilà, ça c'est des plateformes de notes, enfin c'est pas des plateformes de notes, c'est des plateformes des plateformes Petit Prince, enfin pas Petit Prince mais Prince. Bon là par contre on peut aller en dessous. Ah c'est d'accord, merde. Je suppose qu'on peut aller dans le chocolat. Ah oui, on peut même aller sur le chocolat. Bonjour madame. Bah là, par contre alors... Merde. Voilà. Ça c'est un niveau pour Johanna. C'est vrai que ça donne envie. Bon, il y avait pas de... Faudra vraiment qu'on m'explique à quoi ça sert les trucs violets là. Putain. Genre si je détruis tous les trucs violets d'un niveau, il se passe un truc, c'est ça? Voilà. C'est ça qu'on veut. Très bien. Il n'y a rien de l'autre côté. Non. Là, par contre, dans cette musique, il y a une vibe de la séance de cinéma, vous savez. Je crois que c'était sur TF1 dans les années 90 avec. Tan tan tan. Oh là là. Je défonce tout. Je suis fou. Je suis sûr que je loupe tellement de trucs. Johanna, on la retrouve en train de bouffer. Quoi? De bouffer des plateformes. Ah ah! Voilà, il y en a encore un qui reste. Est-ce que c'est... Est-ce que vous croyez que je peux descendre en dessous là? C'est l'air descendable non? Oh là là. On attend. Oula. Allez, c'est l'hécatombe. Et sous. Ça, ça semble descendable aussi. C'est toujours extrêmement descendable. Il faut faire quoi? Regardez. Bonsoir Nicus. C'est toujours quoi? C'est toujours Mademoiselle Spark et pas Madame Niveau. Quand bien même, on peut décider de garder son patronus. Je
Ah ah, c'est l'heure. Bah c'est fou ça. C'est fou, c'est la fin du niveau. Ah merde. Ah, je suis sûr qu'il y avait des trucs qui continuent après. C'est pas grave. Des princes de lu, oui. Ce sont des biscuits fourrés au chocolat, pardon. Excusez-moi, j'ai fait de la pub. Ouh, il est mignon le petit Toad. C'est vrai qu'on pourrait avoir un Toad, frère Boomerang. C'est vrai qu'on peut jouer avec Toad. Les analyses de pub. On sort d'Azubi. Et dans l'eau. Ouais. Le Grabuge Express. Ah, encore un niveau de train que je vais louper misérablement parce que je suis une merde. C'est isométrique hein, qu'on dit quand c'est comme ça. Je sais plus. Alors si je vais là et que je grimpe comme ça, je peux. Non, je peux pas. Putain. Chichi. Bon, ouais. Ah. Voilà. Fermez vos gueules. Et puis voilà. Voilà, j'ai déjà loupé l'étoile. Hein. Super. Ok, j'étais pas prêt. Il fallait que je bourre en fait. Voilà, pourquoi là, les pièces, je dois pas les ramasser. Merde. C'est vrai qu'on peut faire ça. C'est que quand on est le petit chat, en fait, qu'on veut ramasser des pièces. Ah 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 ah. Trop tard. Ah, c'est une porte. Il se passe des trucs. Merde. Le Tampax. Bon, c'est pas grave. Ouah. Putain. On va se transformer avant. C'était pas joli. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle fait des Kagebunshin. T'es là. Putain, faut lui sauter dessus, merde. Quel con. On peut pas l'avoir au boomerang, merde. Facile. À condition que j'arrive à te sauter dessus. Ah oui, d'accord. Alors c'est pas full isométrique hein, ce que je dis celui-là, mais le gros du gameplay c'est quand même de l'isométrique. C'est un peu vu du dessus de trois quarts comme ça là, c'est... Et merde. Et bah le 2.5D c'est de l'isométrique, non c'est pas ça qu'on dit. Je me souviens que le premier Resident Evil quand c'est sorti dans les tests ils parlaient tous de 3D isométrique. C'est pour ça que je dis ça comme ça. C'est mon éducation qui a été faite ainsi.